Nicolas Ciotti passe au blond platine, à presque 60 ans, il faut s'amuser. Le chanteur s'offre une nouvelle tête. Le leader d'Indochine, Nicolas Ciotti, que l'on avait toujours connu les cheveux noirs de Jeff, a surpris tout le monde en s'affichant en blond platine. Le chanteur de 58 ans, qui a entamé avec son groupe, une nouvelle tournée intitulée 13 Tours, s'en est expliqué. Samedi 10 février, Indochine donnait la première représentation de sa tournée à Épernay, Marne, et, sur scène, on a pu voir un Nicolas Ciotti tout blond. Un choc pour ses fans. Sur la toile, la nouvelle tête du chanteur a été très commentée, et il a fini par s'en expliquer auprès du Parisien. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. J'en avais envie depuis longtemps. J'ai fait ça il y a un mois et demi, et j'ai porté des bonnes à tout le temps pour ne pas me montrer. Apparemment, ça me rajeunit. À presque 60 ans, dans 2 ans, il faut s'amuser un peu, a-t-il confié. En pleine crise de la cinquantaine, certains achètent des voitures de luxe pour femmes et enfants, l'interprète j'ai demandé à la Lune, c'est lui juste payer une folie capillaire. On a vu plus déraisonnable. Toujours dans les pages du Parisien, Nicolas Ciotti a aussi commenté l'absence d'Indochine à la 33e édition des Victoires de la Musique. S'ils n'étaient pas nommés, malgré le succès critique et commercial de leur dernier disque intitulé 13, il y avait à cela, pour le chanteur, une bonne raison. On ne voulait pas y être, dit-il. Et d'ajouter, on a demandé à ne pas figurer dans la liste des pré-nominations en octobre. Cette mascarade a assez duré. Les maisons de disques votent pour leur poulain. Ça ne m'intéresse pas.